bonjour à tous, c'est Elias, et on se retrouve pour un nouveau match de cette Division 3 sur FIFA Ultimate Team 16. Donc on va entamer notre troisième match aujourd'hui, et on va tenter de passer de 4 à 7 points pour se rapprocher de la zone de maintien, donc qui est à 12 points. Souvenez-vous, lors de mon dernier match, j'avais remporté, mon adversaire, je l'avais battu 3-0 avec un doublé d'Atem Ben Arfa phénoménal. Et donc là, moi je pense que je vais mettre une bonne carte forme pour que tous mes joueurs reviennent à 99 de forme. Oula, toi t'as une latence mauvaise, donc on va avoir notre adversaire. Allez, celui-là a une bonne latence. Et donc on va jouer contre Nabil 7. Donc on va jouer contre une belle hybride entre du Bundesliga, du Serie A et du Liga. Et avec un bon 96 de collectif, on dirait une équipe de fun draft. Allez, c'est parti pour ce match. Et on va tenter de battre ce fameux Nabil 7, Sanadira. Blaise Matuidi qui frappe complètement raté, la frappe de Blaise. On sait que le pied droit, c'est pas son point fort. Bon. Allez, André-Pierre Gignac qui réussit à dévier sur Ben Arfa. Blaise Matuidi qui est parti. La Casette également. La Casette qui réussit son stop and turn. La Casette qui va frapper. Et la parade d'Igu Lloris. Tente de le contrer tant bien que mal. Franck Ribéry qui est trop petit. Gaïa. C'est malheureusement le match qui lag un petit peu. Donc c'est difficile pour moi de défendre. Et attention. C'est tendu. Tendu. Oh là là. Le but. Mais regardez-moi ce but. Avec le lag, avec tout ce qu'il y a. Je cherche pas d'excuses, mais franchement là, c'est abusé quoi. Hein, parce que je vois que tu te racoles le dos, ça y est, c'est la nouvelle année, un coup à la tienne, à la mienne. Ah, c'est quoi? C'est pas une bouche ici, gros. J'ai pas au club med, gros. Hein, tu es en train de représenter l'Olympique de Marseille, enfin. Hein, qui part. Lasdiara qui réussit à récupérer. James Rodriguez. Frappe. Griezmann. Griezmann toujours. Ah là là, ça joue pas comme il faut là. Oh là 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 là, heureusement qu'il y a hors jeu parce que là, le ballon qui passe comme ça, ce serait inadmissible. Et c'est la mi-temps sur ce score de 1-0 pour mon adversaire. Et j'ai un peu de mal quant au jeu de passe. J'ai vraiment du mal à trouver mes attaquants pour pouvoir frapper au but. Et c'est Jackson Martinez contre le courant du jeu, selon moi, qui réussit à ouvrir la marque. Et un changement en plus, Bakary Sagna et Franck Cuadrado rentrent à la place de Franck Ribéry, Freddy Guarin, pardon. On se concentre un petit peu. Arfa qui tombe. Et qui l'arbitre qui ne siffle pas, c'est normal. Bien joué ça de la part de Gignac. Qui trouve la Casette. La Casette qui se bat. Matuidi qui est en retrait. Blaise Matuidi qui n'a pas pu ressemener le ballon avec lui. Attends, Ben Arfa. Ben Arfa qui... Putain. Oui, Djadjedje. Non, Djadjedje. Le lâche pas, Brice. Le lâche pas. Super, Loïc. Allez, Atem. Atem. Tu as lancé Brice. Super. Tu peux y aller, Atem. Non, Atem. Oui, ça a l'espace. La Sanadiara. Il y a Blaise Matuidi. Matuidi. Pour peut-être trouver un jour. Il n'y a personne qui fait un appel. Jackson Martinez. Faut pas perdre ce match. Pour moi, c'est injuste de perdre sur ce match. Allez, Benjamin Mendy. Super, Benjamin. Allez, Blaise Matuidi. Oui, Atem. Tu as fait la différence sur cette virgule. Voilà qui est fait. Il y a André-Pierre Gignac pour couper le ballon de la tête de le gardien qui la sort. Incroyable. Ben Arfa qui a fait de la magie juste derrière et Gignac qui rate devant ce Hugo Lloris. Et on va tenter la spéciale. Le corner en retrait pour Matuidi. La frappe de Matuidi. Lloris encore. Aïe 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 aïe. Attention, Juan Cuadrado qui prend de l'avance sur Brice. Mais Brice qui lâche pas. Voilà.
ATM de la tête. Attention dans l'axe. C'est pas bon ça. La frappe. Et la parade de Steve Mandanda. Et vite, mais belle interception de la défense. La casette. La casette pour la tête de ATM Ben Arfa qui passe à côté. 80e minute de jeu. La frappe de Griezmann. Et Steve Mandanda qui s'interpose encore une fois. Et attention, le corner en retrait pour l'enroulé de Griezmann et la parade de Mandanda encore. Atem Ben Arfa. Ben Arfa toujours. Ben Arfa. Et Maguidi Spin qui ne va pas passer. Ben Arfa encore une fois. J'ai voulu faire une feinte de frappe, mais Ben Arfa qui a tiré directement. Djadjedji qui la sauve comme il peut. Blaise Matuidi. Pour Benjamin Mendy. Mendy qui va peut-être centrer là-haut. Pour personne. Tous les joueurs se sont aventurés dans la cage, et c'est le temps additionnel. Et mon adversaire qui va gagner du temps, j'imagine. Voilà. Allez, dernière action. Le tout pour le tout. Et non, c'est terminé. Laisse un peu encore un peu une action. C'est d'arbitre, va. Oh, et sur ce match que je perds, de façon très injuste, où j'ai raté l'immanquable, j'avais des actions pour pouvoir prendre l'avantage, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et finalement, c'est une défaite sur ce but de Jackson Martinez qu'on voit là. Déception. Déception de ma part où je perds encore une occasion de gagner le titre en cette Division 3. Allez, on se quitte sur ces détails du match. On peut voir que nos tirs ont été les mêmes. 7 tirs à 7. 4 tirs cadrés pour moi, 5 tirs cadrés pour lui. Et j'ai eu l'impression que mes tirs cadrés étaient un peu plus dangereux que les siens quand même. Si on a vu des belles parades de Steve Mandanda, du Golioris, ça c'est nul doute là-dessus. Le très grand gardien qu'on a vu en opposition, 51% de possession, j'ai repris la possession du ballon en deuxième période, mais malheureusement pour moi je n'ai pas eu de chance, surtout la tête d'André Pierre Gignac qui aurait pu me donner au moins le point du match nul. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un like et commentez pour voir si vous avez l'occasion d'avoir des frustrations comme ça dans des matchs de FIFA. Partagez la vidéo, aimez-la, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous laisse, c'était Elias. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo et un autre match de Division 3. Ciao, ciao.